Bon, début du boss, franchement, ce boss c'est pas difficile du tout. Je pense qu'il y a moyen de le faire sans trop de difficultés, sans se faire toucher. Faut vraiment faire attention. Ça va être éventuellement cette phase là qui va être un peu plus délicate. Parce que voilà, on retrouve un petit peu toutes les créatures maléficiées avec toute leur subtilité, les projectiles éventuels, ce genre de choses. Pardon. Voilà. Bon bah je crois que je me suis déjà fait toucher. C'est foutu. Mais voilà, en faisant attention, ça peut se faire, hein. Franchement. Ah oui, il y en a beaucoup. Voilà. En prenant pas trop de risques, en prenant son temps, je pense que ça passe tout seul. En faisant pas ce que je fais en fait. Moi, j'avance vers lui alors que c'est une connerie. Voilà. Maintenant on peut y aller seulement. Voilà. Donc la petite subtilité. La mère de Chaos va se cacher dans le portail en fait. Donc faut enlever son Skylanders du portail pour la voir. C'est impossible. Et donc là on peut continuer en remettant le Skylanders dès qu'on nous demande. On continue le boss qui va avoir trois étapes. En final on va jamais vraiment l'affronter elle directement. À chaque fois on va affronter alors des Skylanders. On va dire ça quand même après. Rien de difficile. On se cache derrière un laser. Et puis voilà, les diamants, enfin derrière un diamant, enfin une pierre précieuse là. C'est juste pour le fun cette phase. Donc là on change de pièce, on ramasse un peu de nourriture au passage. Je suis impressionné. De nouveau des créatures maléfiques qui vont arriver. Voilà, c'est pareil, c'est un poil tendu. Mais bon voilà, je vais essayer de prendre mon temps pour pas me faire toucher. Une petite session de jam. Alors, il y a quand même la subtilité des... Bon, je me suis fait toucher. Avec un peu d'entraînement et d'habitude, en faisant vraiment attention, ça passe tout seul, je pense. Et donc ouais, il y a des mages voyous de la vie qui arrivent régulièrement. Il faut tout de suite aller les tuer parce que sinon ils soignent les ennemis. Enfin, je vais quand même pas mourir, attention, ce serait bête. Je suis où là? Ah, je suis là en bas. Et ben voilà. De nouveau, on enlève le Skylander. Non, pas encore. N'approche pas. On peut le remettre. On peut se cacher. Voilà. Je ne veux plus retenir mes coups. Vraiment aucune difficulté. Devant la puissance des ténèbres. Bon, évidemment ça dure un peu plus longtemps en cauchemar du fait de la résistance des monstres. Tu ne t'en sortiras pas comme ça. Au niveau de ces phases où on réaffronte les créatures maléficiées. Tu es bien plus gênant que je le pensais. Et donc là la dernière étape. Donc, mais même toi, ce gros troll là-haut
va nous envoyer des... Nous allons maintenant voir jusqu'à quel point tu es des monstres, donc évidemment qu'ils seront plus durs aussi à tuer en cauchemar. Et ça se fait facilement. De toutes vos forces. Ah, de pitié. Alors essayez de tuer en premier ceux qui tirent des missiles, parce que c'est ceux qui vont poser, qui vont pouvoir vous toucher plus facilement. Et donc là en fait il faut un petit peu comme dans le Far West, attendre que il lance la dynamite. Là on esquive et après on peut le taper. Voilà, sa barre de vie descend et c'est lui vraiment le boss. Donc là il remonte, je pense qu'en deux fois ça devrait le faire. Donc là il devrait nous renvoyer encore des ennemis. Voilà. Évidemment, ça c'est ceux qui tournent qui sont invincibles. Vous voyez, je me suis pas fait beaucoup toucher hein, pour le moment, donc allez. Non, encore une fois. Tu ne me vaincras pas dans mon propre château. Là, ça va être la fin. Comment fais-tu ça? Ah bah la dynamite a suffi à l'achever en fait. Donc là, pendant qu'on va l'enlever en fait, la faire sortir du portail, on a Tessa en haut à gauche qu'on a pu voir, qui va descendre le miroir qui est accroché au mur. Et en fait, ça va être le même principe qu'avec les cristaux verts. Il va falloir rediriger, faire en sorte qu'elle cible le miroir avec... Voilà, donc elle lance son truc. Et là, Tessa va nous aider. Donc il y a juste à esquiver. Voilà, petite cinématique. Et tout simplement, voilà, faire en sorte qu'elle touche le miroir. Elle va se retrouver enfermée dedans. Donc fin du premier boss. Avec 2 étoiles, donc puisque j'ai subi quelques dégâts. Mais bon, vous voyez, rien de vraiment difficile. En prenant son temps et avec de l'habitude, je pense que c'est faisable sans subir de dégâts. Au moins en facile en tout cas. Sachant que ça change rien de le faire en facile ou en cauchemar ici. Si ce n'est peut-être pour le petit estime personnelle, personnellement moi je m'en fous. Moi je vais enchaîner avec donc le deuxième boss, le chapitre 17, qui sera Chaos. A tout de suite.